Bon, alors tout d'abord, bon, je m'excuse du fait du problème qu'on a rencontré. Bah, comme quoi, ça arrive à tout le monde. Alors, je suis là pour vous présenter un projet assez ambitieux qui s'appelle Public Domain Project, qui a été créé en. Qui était, enfin, les débuts de ce projet, c'était en 2008. Il y a eu une discussion entre les membres fondateurs, Carl Fisch et l'autre, j'ai oublié son nom. Un, il est historique. Historicien? Non. C'est ça, historicien? Historien, merci. Historien spécialisé dans la musicologie. Et l'autre est un juriste. Et bah, après avoir émis l'idée de débuter un projet de numérisation pour mettre en place le patrimoine audio et les données, enfin, pour que tout le monde puisse y accéder, voilà. Pardon? Oui, j'aurais juste. Enfin bref. En 2009, ils ont reçu le premier serveur où ils ont pu mettre en place tout le système et le site web, etc. En 2010, ils ont participé à un concours organisé par Wikipédia Deutschland et avec leur projet, Public Domain Project, ils ont gagné le premier prix. Au lieu de recevoir le lot de l'argent, ils ont à la place demander un autre projet, un autre lot, qui s'est révélé être une platine laser, ce qui est assez intéressant, surtout pour les audiophiles qui apprécient les vinyles et lire les supports un peu obsolètes et qui n'existent plus. Après cela, en 2011, on a eu la bonne. Enfin, on a obtenu de la part d'un collectionneur son patrimoine composé de 30 000 œuvres. Donc essentiellement des vinyles en gum-lac, shellac, hein, c'est en anglais. Et on a vraiment obtenu du support de quoi numériser, enfin on a vraiment de quoi travailler maintenant. En plus de ça, on a après cela, en 2011, en 2012, on a créé la fondation Swiss Foundation Public Domain Project, qui consiste à épauler tout le travail et à contrôler les finances, mais j'y reviendrai plus tard pour plus ample d'informations. Concernant les chiffres, nous avons actuellement 50 000 œuvres qui sont essentiellement des vinyles en gélac, mais pas seulement, on a d'autres, c'est aussi les bandes magnétiques. On a 9 000 visiteurs sur le site web. Donc sur notre plateforme, 700 enregistrements qui ont été numérisés, qui sont déjà accessibles sur le net, 50 mètres carrés à disposition enfin, une autre disposition pour entreposer les œuvres, parce que forcément, c'est pas parce qu'on les a numérisés qu'ils sont sur Internet et qu'ils ont été archivés qu'on va les jeter, il faut aussi les garder, il faut aussi montrer à quoi ça ressemble. Et c'est aussi toujours plaisant de réécouter sur le support officiel et pas sur les écouteurs depuis son ordinateur. Et on fait du 100% bénévolat parce qu'on n'a absolument aucun fonds. C'est essentiellement les membres, 6, qui travaillent pour la survie, enfin, la survie, oui, pour que ce projet soit viable et puisse vivre et faire ce dont nous souhaitons. Donc mettre à disposition les œuvres, notre patrimoine audio à notre génération actuelle et nos générations futures, parce que c'est nécessaire et c'est important qu'on puisse savoir ce qui s'est passé autrefois, qu'on puisse avoir aussi une source d'accès pour, par exemple, voilà, innover en réécoutant une musique classique. Et réutiliser par exemple pour un film ou pour un travail personnel. Donc il y a un certain aspect communautaire derrière. Et l'idée en fait générale de ce projet-là, comme je l'ai dit, c'est l'accès public. Donc toutes les œuvres numérisées qui sont déjà dans le domaine public, on vérifie que bah, toute l'œuvre qu'on numérise se trouve bel et bien dans le domaine public. On essaye aussi de trouver le maximum d'informations concernant l'auteur, le compositeur, le parolier, essayer de trouver les librettos, les mettre en ligne, les mettre à disposition sur une encyclopédie,
Après cela, quand ce travail est fait et qu'on sait que l'œuvre n'est pas sous une protection juridique, voilà, bah on sait qu'on va pouvoir lancer notre travail. Et l'objectif, pour faire simple, c'est de collecter le maximum d'œuvres, le maximum de supports qui se trouvent dans le domaine public, de pouvoir le protéger pour pas qu'on puisse remettre dessus une certaine façon, remettre un copyright, et aussi le protéger pour de point de vue matériel, donc de pas dédommager le matériel, le support, d'archiver et de numériser la musique, et pour donner un accès futur aux générations futures, pour que les gens puissent aussi connaître ce que faisaient nos ancêtres, ce qu'étaient autrefois les anciens artistes, les anciens chanceliers, et à partir du moment où tout est numérisé et disponible sur le web, l'utilisateur, ou même une entreprise, même une radio qui utilise tout notre travail comme musique de nuit, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin ils font tourner de leur radio sur leur chaîne. Et ça, c'est par exemple typiquement un cas d'utilisation qu'on peut faire. Un utilisateur peut réutiliser ce que nous avons numérisé à titre personnel, à titre privé, comme par exemple pour moi, je pourrais mettre une musique de fond derrière, je pourrais par exemple aussi utiliser pour un travail, mais aussi pour un film. Et il y a aussi le streaming, qui est un streaming qui est mis en place avec une web radio, deux types de web radio qu'on a mis en place, qui est, tout le monde peut écouter à partir du moment où il a une connexion internet. J'y reviendrai plus tard. On peut aussi réutiliser ces œuvres comme échantillonnage pour faire du remix. C'est libre à chacun d'utiliser comme il veut le travail qui a été numérisé. C'est l'important que ce soit libre. Alors, en revenant sur le point libre, il faut savoir que pour qu'une œuvre soit dans le domaine public, c'est assez compliqué. C'est pour ça que on a de la chance qu'un des membres fondateurs est un juriste, donc il connaît la loi et connaît tout le byzantinisme qu'il y a derrière. Donc il y a tout l'aspect, tout le travail derrière de fond pour vérifier que c'est bel et bien dans le domaine public. Et on doit aussi connaître en fait qui sont les auteurs qui ont travaillé dessus, parce que selon la loi suisse, après c'est vrai que c'est un domaine assez précis, le domaine public, où je pourrais parler là assez longtemps, mais surtout dans la loi suisse, si plusieurs personnes y ont travaillé, par exemple dans une œuvre audio, c'est la dernière personne qui est décédée. À partir de ce moment, ça fait 70 ans qu'elle est décédée. Après 70 ans, son décès, l'œuvre se trouve dans le domaine public. Donc c'est pour ça que si vous allez sur le site web, il y a peu de chances que vous trouviez de la musique électronique ou du hip-hop, le rock, etc. La bibliothèque est essentiellement composée de jazz et de musique classique. Donc ça tourne essentiellement sur ces deux points-là. Pour les autres genres, il va falloir attendre encore un petit moment, un petit siècle, et puis je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de contenu varié, un peu plus de variété. Oui. Voilà. Dans le projet, il y a plusieurs parties, dont je vous ai parlé plus ou moins. Donc il y a la partie de recherche, donc on doit rechercher concernant l'œuvre, on doit savoir toutes les personnes qui ont travaillé, toutes les personnes qui ont contribué d'une façon directe ou indirecte, pour avoir une certaine transparence vis-à-vis l'utilisateur qui va lire ses œuvres. Et c'est un travail
assez difficile, qui prend beaucoup de temps, parce qu'on ne trouve pas forcément les informations d'une œuvre datant du siècle passé sur Internet. Donc il y a tout un travail de recherche à faire, de vérification aussi, pour qu'on puisse au final mettre en place une encyclopédie musicale pour l'utilisation, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc après ce travail d'archivage, il y a aussi tout l'aspect qui va à l'intérieur. Donc il y a la recherche, il y a le nettoyage de l'œuvre pour pouvoir faire une très bonne numérisation, pour avoir un bon son. Il y a le travail aussi de mise en place du serveur pour qu'on puisse retrouver l'œuvre archivée sur Internet. Et il y a aussi après la mise en place, enfin de trouver, enfin de ranger correctement les œuvres pour pas qu'on mette dans un local où il y a trop d'humidité et au final ça dédommage le support, quoi. Donc il y a tout un processus à suivre en place. On a aussi deux web radios, une qui est axée sur la musique classique et une sur le jazz. Le contenu sont uniquement des œuvres que nous avons numérisées. Donc on peut facilement retrouver le lien sur le site web, on le télécharge, et puis après il y a un flux, enfin une application dédiée, enfin, VLC ou Rhythmbox, très bien. On peut écouter tout le travail qui a été fait, il y a des jolies œuvres, après tout dépend le goût de la personne. Et le dernier point, il y a la fondation. Fondation qui, elle, gère en fait tout l'aspect légal, tout l'aspect, le fait qui vérifie que l'œuvre soit bel et bien protégée du point de vue juridique. C'est aussi en cas de pépin, en cas de problème, personne à contacter, c'est eux qu'on doit contacter. Et c'est tout simplement, c'est comme si pour faire une image, c'est comme si c'est les gosses, et puis voilà, la fondation, c'est les parents qui dirigent le tout. Alors pour l'archivage, on archive essentiellement nos collections qui sont essentiellement composées de gomme lac. Après, on les digitalise, on les rend disponibles et on les met. Ouais, avec l'édition, ça. Pour l'encyclopédie, voilà. Ce qu'on veut faire, c'est basé sur MediaWiki, donc ça a le même aspect visuel que Wikipédia. Le but, l'objectif, c'est de pouvoir rendre accessible au commun du mortel l'œuvre et les informations. Donc, toutes les œuvres sont enregistrées et digitalisées en FLAC, sont libres de droit, et en OGG aussi. Et vu que nous avons gagné le concours organisé par Wikipédia Deutschland, il y a aussi un partenariat qui s'est fait, et il s'avère que toutes les œuvres qui sont numérisées, on les retrouve sur le site de Wikipédia. Donc il y a toujours un doublon, si on peut dire de cette façon. Après, il y a aussi tout l'aspect de nettoyage. Donc on a deux types de machines, un qui fonctionne avec du vacuum, donc qui aspire. C'est assez rapide, c'est simple d'utilisation, on met le disque et puis on fait tourner la machine. C'est assez puissant, ça fait bien son travail, mais le problème, c'est l'inconvénient, c'est que il y a des risques de granulature et c'est limité à un certain type de diamètre. Donc on peut pas prendre un support qui est trop grand et tout, ou trop petit pour le nettoyer. Et l'autre machine permettant de le nettoyer, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est on remplace, pour faire simple, on remplace l'aiguille par de la ouate, et puis on laisse tourner, et ça nettoie les entrailles du vinyle. Et c'est aussi efficace, tout aussi efficace que l'autre machine. On a plus de contrôle, il y a moins de problèmes pour certains types de supports, donc on s'en fout
du support, donc, du diamètre. Et puis c'est un problème, on peut facilement le réparer. Voilà. Alors pour le futur, c'est forcément, voilà, on doit y travailler, c'est ben, forcément trouver des fonds, synchroniser, alors, trouver des fonds, trouver des nouveaux membres sur le court terme. Et sur le long terme, comme moi je le fais, c'est, enfin sur le long terme, de traduire en fait la version de l'allemand en français. Et l'objectif, ce serait de pouvoir proposer plusieurs langues, que ce ne soit pas seulement axé pour la Suisse ou l'Europe, mais qu'il y ait d'autres langues étrangères. Et il y a aussi un aspect que je voulais partager, c'est l'utilité de l'open source, comment ça nous a servi et à quel point les projets open source peuvent aider. Et c'est un argument de force assez intéressant parce que ça nous a permis de pouvoir créer un projet, de mettre vie à un projet sans devoir forcément payer des licences pour des logiciels pas forcément fonctionnels. Et c'est aussi grâce à cela que mettre tout cela à disposition. Bon. Voilà. Ok. Alors, ouais, c'est bon, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a une question ? Comment on garde, une fois qu'ils sont digitalisés, quand c'est du FLAC, donc je pense que c'est. Alors oui, c'est du FLAC et du OGG. Voilà. Donc tous les fichiers sont disponibles dans ces deux formats-là. Après, comment. Donc, ils sont sur des serveurs, si c'est plus Internet, mais après, est-ce que vous avez une stratégie pour le garder à long terme ? Parce que le problème, c'est que tous les médias actuels, comme les CD-ROM, les disques durs, etc., ils ont une durée de vie relativement courte. Certains en général, c'est moins de 100 ans. Donc, est-ce que vous les sauvez quelque part ? Vous avez déjà une politique pour les garder à long terme pour ne pas refaire ce travail de restauration à nouveau ? Bah, l'idée, en fait, c'est d'avoir toujours un doublon. Ah, j'ai répété la question, c'est ça ? Ouais, bon, alors la question c'est comment se passe quelle est la politique de conservation des supports. Alors déjà le fait de numériser, ça fait déjà qu'on a déjà une deuxième trace du support. Alors c'est vrai que c'est pas la même chose. Quand on support, il y a un certain charme de pouvoir écouter un vinyle, de voir un vinyle tourner et en sortir un son. Mais la politique, c'est bon, honnêtement, je sais pas vraiment. Mais ce que j'en avais parlé avec celui qui s'en charge, c'est trouver un local qui ne pose pas trop de problèmes du point de vue environnemental, donc il n'y a pas trop d'humidité, une sorte de cave. L'idée, c'est de conserver. Alors, on conserve tant le support et tant que la version digitale. Et puis, la version numérisée, on la retrouve tant sur le site web que aussi sur MediaWiki. Sur Wikipédia, pardon. Donc, c'est ça, j'ai pu répondre à votre question ? Oui, c'est surtout pour être sûr que tout le travail que vous avez fait n'est pas perdu. Non. Il n'est pas perdu. Voilà. Vous avez des backups, il y a plusieurs copies. Donc, les vinyles, on peut aussi les copier avec un sort de truc rouge, je crois, j'avais vu une fois. C'est comme la cire, c'est ça ? Oui, j'ai vu une sorte de cire rouge. Donc, ça, vous le faites aussi, vous copiez Alors ça, non, on s'occupe essentiellement de la digitalisation et de garder, de préserver le contenu, quoi. Après, le problème aussi, c'est que premièrement, on fait tous du bénévolat et deuxièmement, on n'a pas suffisamment de monde et de personnes actives qui sont prêtes à faire tout ce travail-là, quoi. Donc c'est aussi le temps qui est aussi très problématique. Le super.
le hard drive, donc pour passer un disque comme ça, est difficile à trouver aussi. Les coûts d'entraînement, j'avais eu un certain nombre de support au musée d'Auberçon, qui m'avait aidé pour certains trucs. Bon, j'ai arrêté maintenant, j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années déjà, mais c'est extrêmement difficile. Alors, qui fournit les machines et qui fournit le support pour enregistrer ça? Il faut du matériel, il faut un micro de haute qualité, il faut filtrer, etc. Enfin, disons, je parle des principes que vous utilisez, donc des 78 tout anciens. C'est extrêmement difficile à faire quelque chose de correct. Alors, quelle est votre technique? Alors, qui nous fournit le matériel pour la numérisation? Alors, ce que je sais, alors on a plusieurs partenariats, on a avec Wikimedia Allemagne qui nous a fourni la platine en laser et Wikimedia Suisse qui nous a fourni l'outil de nettoyage. Après, je sais que nous possédons un outil pour justement digitaliser les œuvres. Comment on l'a obtenu exactement, je peux malheureusement pas vous répondre parce que je n'ai pas la connaissance. Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas partir sur une base électronique. Il faut les réenregistrer de façon analogique. Oui. Un micro, parce que j'entends, moi j'ai un disque de Caruso, par exemple, un 78 tours. Mmh. Et bien quand je mets ça sur mon gramophone, et sur dans la pièce à côté, on a l'impression qu'il y a une extra personne qui chante. Donc il y a quelqu'un qui a un piano et une personne qui chante, tellement le son est réaliste. Et donc ce son-là, ça passe donc par une prise de son. Vous ne pouvez pas passer ça sur un gramophone normal. Ah oui, non, c'est clair. C'est une façon électronique. Oui, oui. Vous perdez complètement le contenu, le contenu physiologique de l'œuvre. Bon, il faut aussi dire qu'un des deux membres fondateurs, il est aussi historien spécialisé dans la musicologie, enfin dans la musique. Donc il sait aussi s'y travailler, enfin comment numériser ces travaux. Donc il a toute une expertise derrière. Après, dans les détails, comment ça fonctionne, je suis malheureusement pas la personne la mieux placée pour donner une réponse exacte. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a du matériel adéquat pour faire le travail. Mais si vous voulez, je peux sans problème prendre contact avec les personnes. Enfin, je peux sans problème trouver la réponse, si vous êtes intéressé. Ah oui, non, c'est exact, quoi. C'est... Ouais, ah ouais, c'est vrai qu'il y a une autre qualité, quoi. Ah là, c'est vrai. Il faut un pavillon en cuivre, j'adore, qui soit orienté de façon exacte, et puis une aiguille qui soit faite pour les timbres de voix basse, etc. Enfin, disons, c'est... Il y a tout un travail derrière, hein, c'est clair, et puis... Il y a un travail de fou. Mm-hmm. Oui. Et puis ensuite, moi j'enregistre ça au DAC grave. Après, on peut numériser ou faire ce qu'on veut. Il faut du microphone de très haute gamme. Et puis en plus, il faut pour un lieu totalement insonorisé aussi. Oui. Oui, c'est juste une question, c'est au sujet des œuvres que vous digitalisez. Oui. Est-ce que c'est uniquement de la musique ou c'est tous les œuvres sonores, toutes les bibliothèques? Est-ce qu'il y aurait dans votre bibliothèque des discours de politique ou des conférences faites par des personnes du siècle passé?
Alors, ce sont essentiellement de la musique. Parce que, en fait, on numérise ce qu'on a obtenu, ce qu'on a. Après, si on numérisera, si on se mettrait à numériser cela aussi, on le fait parce que, oui, on l'a fait, parce qu'on a aussi obtenu, lorsque le collectionneur en 2011 nous a fait une donation, il y avait aussi des enregistrements d'une émission radio de la DRS. Donc, on n'enregistre pas seulement de la musique, mais pour faire simple, on enregistre ce que nous possédons. Merci. Alors, y a-t-il encore une autre question ? Non. J'aimerais juste dire un truc, juste compléter. Si des personnes sont intéressées, je peux distribuer quelques flyers. Voilà. Ok. Bien, alors c'était notre dernière conférence. Merci à tous d'être venus et merci aux conférenciers d'être là.